Dans ce Battle Royale Minecraft, tout est aléatoire. Lorsque je casse un bloc, ça donnera un autre bloc totalement random. Et dans la deuxième partie, les crafts seront également randomisés. Mais cette semaine, le concept évolue, car désormais, les mobs agressifs sont également aléatoires. Et pour vous donner une petite idée de ce que ça représente... Non, c'est impossible. En bas, c'est Fort Boyard, frère, je sais pas ce qui se passe. Si le concept vous plaît, abonnez-vous. S'il y a 500 nouveaux abonnés avec cette vidéo, il est possible qu'on teste un autre format encore plus bordélique. Alors déjà, ça commence bien, déjà, on spawn dans un bon truc. On va tester la terre directe. Oh, on a plein de fleurs, là, c'est cool. Mec, il fait nuit. Ah, c'est bon. Voilà. C'était pas une très bonne idée, je crois. Il va falloir qu'on trouve du bois et tout, mais ça va être l'enfer. Bon, à faire. C'est vrai, il y a des mobs normaux, regarde. Bon, par contre, là, ça, ce qui va être l'enfer, c'est de réussir à avoir du bois. Parce que autant hier, on avait le bois hyper facilement, autant là, je sais pas ce que ça peut être. Attends, il y a plein de fleurs. Oh, j'ai de la canne à sucre. Déjà, les fleurs jaunes, c'est la canne à sucre. Je dois trouver de la. De l'eau. Ok, mec, j'ai le bois, c'est bon. On va pouvoir tester quelques trucs. Bon, je vais tester la table de craft, on va voir. Ah bah c'est un autre type de bois la table de craft mec. Ah. Petite précision cependant, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Non plus sérieusement, j'organise ce week-end un nouveau projet qui s'appelle Guild Rumble. Une fusion entre les Guild Games organisés en septembre dernier et la ZLAN que vous voyez chaque année. Sans trop rentrer dans les détails, il y a 7 jeux, 30 heures de compétition de vendredi 19h à minuit, puis samedi et dimanche 13h minuit, 100 joueurs et 1000 balles de cash prize. J'ai besoin de vous, plus il y aura de monde qui suivra l'événement ce week-end, plus il y aura la possibilité d'en refaire dans le futur et même encore plus. Ça fait beaucoup de temps que je prépare ça, alors n'hésitez pas, c'est sur mon Twitch dès vendredi. Donc là on a 3 types de bois à tester déjà pour commencer. Hop, je vais tester les rails, on va voir. Les rails, je sais plus ce que c'était. D'ailleurs, t'as un petit livre. T'as un petit livre si jamais tu oublies ce que t'as fait. Tu peux regarder dans le truc, ça te donne les recettes depuis le début. Je vais tester de faire la stone là. Oh bah la stone, c'est un autre type de bois encore. Hein. Bah en fait, si tu mines de la stone, on a du bois à l'infini déjà. On va jamais s'en sortir là, team. On va jamais s'en sortir. Y a tellement de trucs à tester, mec. Là, on a de quoi faire. Hein. On est parti pour essayer tout ça. J'ai hâte qu'on fasse un bon beacon là. Ah mec, t'inquiète. Hein. Donc bon. Oh, j'ai encore un autre type de bois, mais c'est pas possible. Oh mec, j'ai des têtes de zombies. Attends, donne-moi du lapis. Ça c'est bien. Ok, alors déjà, ça c'est lapis. Faut retenir, ça c'est ici c'est lapis. En vrai, si on peut dropper un arc, en vrai, comment ça serait bien ça. Et en plus là on a un souci, mec, hein, c'est que la nuit elle tombe là. Et là ça va être quelque chose, hein, la nuit par contre. Hein. Je suis pas sûr que c'était une si bonne idée finalement. T'as peut-être raison. Ah mais attends, y a plein de trucs en fait, y a plein de types de bois différents là. Je pense qu'on peut les tester tant qu'on est là. Alors le problème c'est que là, les ghasts ils commencent à spawner dehors. Hein. Et ça commence à être problématique. Hein. On va taper le zombie avec la pioche, hein, de toute façon qu'ils voulaient faire. Hein. Rien faire d'autre. Hein. En plus ça meurt jamais ces machins là. Je vais essayer de pas trop rester dehors. Qu'est-ce qui se passe, mec? Non, 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 pourquoi t'as activé ça, Kef? Non! C'est pas grave, ça change! Sors pas dehors! Oh non, y'a des casse partout! On va changer d'endroit! Oh, y'en a plein! Ouais, non, là, c'est. Regarde, tout le monde va t'insulter dans le chat là! En vrai, c'est l'occasion ou jamais de. Ok, de voir ce que le ghast drop. Le ghast drop des deep slate bricks et du truc de bambou. Oh mon dieu! Y'a des witches qui spawnent à la place! Y'a des. Oh non! Des piglins bruts. Ah ouais, bah finalement, mec, la game va être rapide. Après, le spawn, ça pourrait être pire. Ouais, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, là, quand même, attends. Oh, il y a Nether Pearl. Mais moi, je vais m'enterrer, mec, hein. C'est mort, hein. J'ai pas Nether Pearl, si tu veux. C'est des tulipes oranges. Ouais, bah là, mec, en vrai, actuellement, c'est ce que je me disais. Je me disais, ça manque de perles, tu vois. En vrai, mec, regarde, les gens commencent à crever petit à petit, hein. Le but, c'est juste de survivre, hein. C'est juste ça. Hein. Il va rester 4 personnes à la fin, ça va être vite vu. Bon, vas-y, je vais m'enterrer là. Ah, j'aimerais bien m'enterrer, Là, on est très contents, la team, hein. Eh, bah, c'est vidéo gratos, les gars. Hein. Pas besoin d'éditer la vidéo, on la publie direct, hein. C'est parti, hein. Faut essayer des challenges dans la vie. On est là pour essayer de nouvelles choses. Mais là, en fait, je peux plus rien tester, mec. Kikeblo, j'ai tout essayé, là. Je peux plus rien casser. Je dois juste attendre que la nuit passe, en fait. Et voir, attends, si j'essaie de pointer le bout de mon nez dehors, pour voir. Est-ce que je me risque à aller chercher les pumpkins? Mec, j'ai tenté, je l'ai fait. J'ai trouvé de la teuf. Bon, par contre, y a toujours rien qui nous donne des trucs intéressants. Si, mec, j'ai du cuir. Ok, on peut faire un livre. Plus que l'armure aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai été né à nez avec une piggin brute. J'aime pas trop le terme né à nez avec piggin brute là. Ça donne peu envie, ouais. C'est bon, je trouve un abri temporaire pour la nuit. Ah, moi, mon abri temporaire, je l'ai creusé. Hein. J'ai l'impression d'être sur ma première partie sur Minecraft là. Hein. Allez hop, bah écoute mec, j'ai 11 de cuir, je suis en train d'hésiter à me dire, je vais me faire peut-être un plastron en vrai. Et du coup j'ai 2 livres, nice. J'ai 2 livres, si jamais on a la table d'enchant, on peut se faire ça éventuellement. Mais bon, je pense que là, la table d'enchant c'est peut-être pas le premier de nos soucis là. Vas-y, c'est bon, il fait jour, si je prends mon destin en main. Il y a des scave spiders partout. Oh, j'ai un beacon. Ouais, bah garde-le bien parce que je crois qu'on va en avoir besoin, mon pote, hein. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire? On va aller dans l'eau, à mon avis. Dans la mer, je pense qu'on sera moins emmerdé qu'ici. Fais gaffe au lanceur de trident. Ok. J'ai une witch, elle m'a balancé une potion de l'autre bout de la map. C'était vraiment de l'ultra hardcore. Hein. En 2020, les gens ils faisaient des vidéos, ouais, survivre avec la difficulté la plus compliquée de Minecraft. Hein. Les gars, survivre avec la difficulté la plus compliquée de Minecraft, c'est ça, hein. Oh, j'ai des blocs d'or. Oh, c'est pas mal ça, par contre. On peut faire déjà des outils en or et surtout du stuff en or. En vrai, c'est pas si mal, mec, en vrai. Comment t'as fait? En tuant des poulets. Ah, c'est les poulets, ok. Ouais, ok, oui. Par contre, truc qui peut être intéressant, les feuilles donnent de l'opsy, mec. Donc en vrai, si on trouve un moyen de faire un feu, on peut peut-être aller dans le Nether et tester des trucs dans le Nether. Il manque juste le diamant et on a la table d'enchantement. Hein. Donc là, si on a le diams, on peut faire un full diams enchant. Il faut juste qu'on arrive à trouver
trouvé le diamant. Et les poulets, t'as... Ah oui, le bloc d'or, c'est ça. C'est effectivement, c'est le poulet du coup. Ah ouais, c'est chaud. En vrai, moi j'ai des pièces en or. Si on croise un mec qui est à poil, par exemple. En vrai, on se met full or et si on croise un mec qui est à poil, on le démarre et puis voilà. Hein. Surtout si t'as un arc. J'ai pas encore un arc, il me manque à filmer. Faut que je trouve des poulets du coup. J'ai pas trouvé de poulet. Faut qu'on teste tous les moutons aussi parce que chaque mouton, forcément de couleurs différentes, drop un truc de différent. Rien qu'avoir un seau d'eau, par exemple, déjà, ce serait tellement Gucci, par exemple. Donc ça sert à rien de faire des trucs en or à part l'armure, en fait. Si on trouve les fucking diamants, on est Gucci. Hein. Surtout que si on trouve les diamants, on peut faire full diamant enchant avec beacon pour ce heal. Là, il faut juste le diamant. Oh, bloc de fer, let's go. Tu l'as ? Ouais, tu casses des portes en jungle. Ok, donc déjà, on peut être full fer. Oh mec, en vrai, ça nous débloque plein de trucs. Ah, oh, ça c'est bien. Ça, j'ai testé ou pas déjà ? Je sais plus ce que j'ai testé, ce que j'ai pas testé. Attends, un truc tout con qu'on a pas essayé en vrai. Les ladders. Oh, de la mud ! Ah, je crois que ça, j'ai déjà testé ça. Hein. Ah non. Diamant, je l'ai. C'est les échelles, eh oui. Yes, alors ça par contre ça régale mec hein. En vrai il nous manque juste des pommes hein. Et même tu sais quoi, même on peut faire littéralement le beacon pour ce heal hein. Donc juste les pommes d'or, mais au moins mec en vrai si on se retrouve on peut faire full enchant déjà, on peut se faire. Je pense qu'on attend le jour et on fait ça hein. On va faire un beacon, on va se heal, on va se mettre full diams enchant et on va se heal avec le beacon déjà. N'oublie pas de faire clic droit avec une hache sur des types de bois pour faire du bois écorcé. Ouais c'est pas con ça. Fais voir si je fais ça pour voir. Ah c'est pas bête hein. Même pas testé les coffres. Oh mais vous êtes les gouttes. Bah le sable c'est les blocs de diams du coup. On peut faire un beacon, c'est bon. On avait déjà le diamant mais bon là c'est encore mieux quoi. Un stack et demi de sable, c'est un stack et demi de blocs de diams. Donc je vais prendre un stack et demi sable et je te rejoins. Comme ça dès qu'il fait nuit, en vrai on en profite pendant qu'il fait nuit, on s'enchante et on fait le beacon, comme ça on se heal. Bon au moins on va être full vie plus full enchant. Ah, y a une witch autour. Ouais c'est moi qui shoot hein le gars. Y a 4 witch au-dessus mec. Ah oui je te vois. Comment je peux rentrer sans mourir là? Ouais mais là mec en vrai il va falloir que tu viennes m'aider je pense hein. Je suis à 3 coeurs donc Non mais juste que tout en vrai. Mais si ouvert, j'ai déjà ouvert les c'est une autre cave en fait. Il y a des cave spider. Ok vu, c'est bon, c'est bon. Ah salut mec. Ah et on va pouvoir faire la table d'enchant aussi d'ailleurs. Ah mais attends mais moi aussi je pouvais la faire la table d'enchant. T'as pas genre un d'obsidienne filé? Ah non je l'ai utilisé justement pour J'ai peur de sortir aller chercher ça. J'aurais pas aussi ta place hein. Ouais. Bon on va attendre un peu hein. Bon tout a dispawn. Ok. Attends, y'a ça à casser. Oh tout n'a pas du tout dispawn. C'est de le contrer. Ciao. Okay, nice. Fais gaffe derrière, il me faut de l'opsy. Alors, il en faut genre beaucoup. Déjà, on va faire la table déjà. Ok, je récupère vite de quoi faire de l'opsy. Comme ça, on a la table d'enchant. Et là, on est à 3 et 5 heures. Donc, est-ce qu'on se heal maintenant ou est-ce qu'on. D'abord, on va s'enchant. Ah, la bordure, elle arrive. La bordure, fais gaffe. Sinon, au pire, hein, on va nether et on se barre genre loin. Hein. Ouais, elle est bleue, fais gaffe, elle arrive. Ouais. Et 40 flèches. Ouais, mais non. Poison. Alors qu'on le pose, hein. J'arrive même pas à la tuer frère. Okay, bah. Ouais je pense qu'on va le poser mec en vrai. Le problème c'est qu'il me faut un d'opsy là putain. C'est bon y en a qui ont droppé c'est bon. Après la bordure elle est quand même assez lente mec hein. Le temps qu'on se régène et qu'on le pète après. On le fait ici ou sur la montagne comme non, tu Non je pense qu'on le fait là c'est bon en vrai hein. 3, 4, 5, 6. Vas-y. Ah vas-y. Mettre résistance hein, en attendant. Hop. Oh bah vas-y en fait c'est quoi. Go faire la table d'enchant hein, au pire en attendant. Vas-y je la pose là et puis au pire j'ai de quoi en refaire une si vraiment c'est la merde. Et ça. Normalement enclume on a aussi hein je crois. Ouais l'XP ça va être chaud par contre là. Ah, je pense qu'on va devoir y aller hein dans le nether. En attendant je pense que je vais m'occuper de récupérer le sable déjà. Il reste plus beaucoup de monde mais quand même hein, ça va. Bon, au moins déjà et on est refull vie tous les deux. C'est déjà une bonne chose en vrai. Ouais faut se dire qu'il faudra refaire la même chose pour après mais. Ouais bah en vrai c'est pas non plus le truc le plus long du monde à faire si je commence dès maintenant. Bon j'ai une sharpness de poids hein. Ouais la bordure elle arrive déjà. C'est ça que je me dis go jusqu'à cette table d'enchant aussi ouais. J'ai presque tout ce qu'il faut au niveau du sable hein. Donc en vrai on a juste à le refarmer rapidos là. On s'y met à deux ça va très vite hein. Et même le nether je te jure qu'on a le temps hein. La bordure elle est vraiment très lente hein. En vrai je pense qu'en 10 minutes on a un meilleur stuff que ce qu'on a maintenant. Bah je casse tout alors. Je casse le... Ce qu'on fera si tu veux c'est qu'en vrai on... Là maintenant qu'on est full vie on peut se permettre de mettre directement le portail au 0-0 après. Et quand on ressort on fait vite notre beacon tu vois. On se barre non en vrai on avance. Moi je propose qu'on avance un peu. Comme ça on récupère de l'opsy en plus. On refait les blocs de diams un peu plus loin sans se faire emmerder par la bordure. Ouais déjà il est c'est quoi là il est pas fou. Il est pas non il est pas en champ. Je peux le backstab. Il est FK non. Ah non. Non. Bien joué. Nice. Ah, GG à moi, nice, il a nice, gap au kill, des perles. Plein d'opsy. J'ai pas trop envie de gâcher mes flèches sur les gars en fait. Non, non, mais t'inquiète, hein, on régage pas. Hein. Bah, je prends l'aggro et j'essaie d'éviter, mais là il commence à en avoir 4. En fait, c'est un endroit horrible. Oh non. Go, on arrête. Enfin, casse ce que tu peux et. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup trop. Il y en a 6 qui me tirent dessus. Waouh, la folie. Je descends dans la cave, hein. Ah, bah, du coup, il me tire. C'est impossible. Parfois, on peut rentrer partout. Y'a une casse-pied derrière toi, gap. Oh putain. Attention, il y en a une autre qui arrive. Elle a l'aggro sur moi si tu peux la tuer. T'as perdu combien de vie? 3 coeurs. Ok, ça va, en vrai, ça va. On va finir ça en attendant ici. Hein. Ah, faut qu'on aille nether en vrai. Et comme ça nous permettra d'aller au 0-0 sans nous taper 3000 blocs de nuit quoi. Là, on va pas avoir le choix malheureusement que de passer par le nether si on veut éviter les mobs. J'ai 19 opsi là. J'ai... Oh putain, ouais, énervé. Quel enfer. Énervé nulle part. C'est horrible la forêt pour ça. Pas grave, on se refera un beacon, t'inquiète. Là, je suis à 22 opsi au total. Au total, il en faudrait 24, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et 24 opsi, c'est bon. J'en ai aussi si tu veux. On peut y aller. Ok, allez, go. Oh non, on rentre. Non, je pense pas. En vrai, on peut rester, c'est bon. Hein. Ah, ouais, c'est ok. Hein. Et donc les squelettes. En vrai, ça se fait. Faut juste qu'on se barre d'ici. Il y a un portail là-bas. Il y a des mecs qui sont déjà venus. Faut juste qu'on se barre de ce biome de con. Oh mec, c'est l'enfer. Juste qu'on se barre d'ici. Attends. Il y a des cave spiders qui arrivent. Attends, on se cache bien close. Bouge-toi. Derrière toi. Je me suis enfermé moi. Ah ouais.
Moi je suis mort, hein. Bon, c'est pas grave, tant pis. En fait, fallait. Ouais, je voulais que tu viennes avec moi, mais t'as pas eu. Non, mais je pouvais pas, c'était bouché. Ouais, il y en a plein. Moi, je suis pas chaud de rester dans le nether, hein, vu le biome. En fait, on en a besoin pour se rapprocher du 0-0 déjà. Et puis, surtout, on a besoin d'XP, quoi, ici. Hein. Non, mais on peut pas. Regarde le nombre qu'il y en a. Ouais, voilà, ça. Regarde rien que le plein de face. Regarde combien il y en a. Non, c'est impossible. De toute façon, on n'a pas le choix là, va falloir qu'on saute dans le portail qui est là-bas. Avec tous les blocs qu'on a, on est obligé d'aller au moins au portail qui est là-bas. Regarde à gauche, t'as de l'XP là-bas. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, là, on est tranquille au niveau de la bordure. En vrai, ici en l'air, on est quand même plus safe que dans l'Overworld. Hein. En bas, c'est Fort Boyard, frère, je sais pas ce qui se passe, mais. Pourquoi il a fallu que ce soit les squelettes qui soient les araignées bleues? Regarde ça! Du coup, j'ai peur des araignées, genre ça me rend arachnophobe ça. Ouais, enfin le portail là, attends, je vais chercher de l'XP un peu là-bas parce qu'il faut au moins que je finisse de m'enchanter mon stuff, mais. Elle, pour l'instant, elle monte pas vraiment. Elle monte, c'est bon, elle peut te barrer. J'ai 2 levels. Ah, pour 8 niveaux, putain, je peux faire un protection de direct. Bah, je fais le portail du coup. Au pire, je prendrai un tout petit peu de level là-bas, mais ouais, on va faire le portail là. On est pas pile au 0-0, donc c'est ok. T'as peur de ce qui va se passer, j'ai très peur qu'on soit acquis par une équipe. T'es prêt, on y va? Tu peux pré-gap là maintenant? Vas-y, pré-gap, au pire, on va poser le beacon de toute façon. Allez. Personne. Y a un stuff ici. Là, y a le stuff d'un mec là. On se met où pour le beacon, hein? Faudrait qu'on se mette en 100-100. De toute façon, si on le pose maintenant, on s'en boba vu qu'il y aura des mobs. Ah, vas-y, go le poser, vas-y. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est 7 blocs. Il faut agrandir encore de 2. On se dépêche avec les mobs là. Toi bien. Vas-y, je continue de poser, mais c'est toi qui as tous les blocs, donc en vrai, il vaut mieux que ce soit l'inverse. J'ai juste celui parce qu'il me gêne. Ok. Il y en a tellement. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, juste crève pas, on finit de le poser vite. Tiens, je te passe ce que je peux. Oh, ça va exploser, mec, hein. Non, non, c'est pas grave. Okay. Tu m'as rien passé du tout là, il en reste. Ouais, j'en ai passé 4. Il en reste sur toi, stock. Okay. Ouais, je sais, mais j'ai pas eu le temps de te. Vas-y, viens les poser, je m'occupe des mobs, moi. Ok, moi j'ai l'aggro, donc si tu peux essayer de le. Ah, c'est bon, t'inquiète, vas-y, ça va le faire. Y'a un husk. Vers toi. Oh, malade. Ah, tu m'as mis un coup. Je me suis fait pousser par le husk. Oh, non, quel enfer. Y'a trop de cast. Pose-le. Pitié. Oh non! Oh non, okay. Attends, je peux refaire, c'est pas très grave. Vas-y, je sais pas, mets-toi quelque part, enterre-toi, mais fais quelque chose! Oh là là, oh, je vais mourir, faut que je m'enterre. Attends, y'a une cave spider juste derrière toi. Putain, ouais, faut que tu t'enterres. C'est bon, vas-y, c'est bon, y'a plus de mobs, c'est bon, vas-y. Je peux pas, je peux pas le faire vu que je suis un cœur. Bah, il va falloir que tu me le donnes. Ouais. Moi, tu me le donnes et je vais le mettre. Je conseille un résistance plus régène. Et après, tu t'enterres direct parce que le temps que la régène monte, ça va prendre du temps. Le problème, c'est qu'il faut casser l'autre aussi. Quoique, on a pas besoin de casser, tu t'en fous. Tu m'enterres dessous. T'as pas besoin de casser l'autre beacon, hein. Je me suis enterré dessous déjà. L'autre beacon, tu peux le laisser en vrai. Je suis en dessous là, c'est bon. Ok. Allez, je vais remonter par-dessus maintenant. T'es un bourbier pas possible. Par contre, j'ai entendu manger, donc je me demande s'ils ont pas fait des gaps. Y'a quelqu'un qui creuse entre moi. Oh non, ils ont des élytras. Ah oui, d'accord. Ah oh ouais. Y'a perdu sur toi. Ah, j'ai là. J'ai même pas envie de voir leur stuff, hein, franchement. J'ai un demi-cœur, mais c'est compliqué. Bah ouais, mais en plus, c'est moi qui avais le Ah, tu peux le poser là. Non, j'en ai aussi. Bah, tu peux y retourner si tu veux. Hein. Ouais, contre, j'ai un demi-cœur donc. Ah, bah, je suis mort. Hein. Bah, d'accord. Il est entré par un trou. Oh, mec, y'en a 45 au-dessus de toi. Ils ont des pommes, Baby Root. Comment ils ont trouvé les pommes? GG, si on avait réussi à poser notre beacon et qu'on faisait la strat de la force 2, je te jure qu'on pouvait gagner. Suffisait qu'on en tue un, on récupérait les pommes d'or et c'était bon, quoi. Moi, je pense qu'on aurait dû aller en 0-0 pile et faire ça dans l'eau. Et on est parti pour cette deuxième game. Combien va y avoir de morts PVE, franchement? On a un spawn, il est cataclysmique, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Deuxième partie, on commence avec un petit starter, parce que là, cette fois-ci, c'est les crafts qui sont random et pas le loot. On va prendre du bois directement, parce que du coup, on va pouvoir tester plein de choses avec le bois au niveau des crafts. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah, on peut colorer, en vrai, on peut colorer des moutons. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire du sucre. Ah bah super. Moi je vais récupérer ce lit parce que je pense que les colorants ça peut être vraiment un énorme banger en fait. Il y a pas de stone cutter dans ces villages, je suis sûr que ça a juste déjà été pris en fait, c'est ça le problème. Ouais, je peux faire un livre avec le papier, mais c'est exactement ce que je veux faire, mec, regarde. Je fais un livre. Oh, la déception. Ah, avec ça on peut essayer de faire des trucs en vrai. On peut essayer de faire ça. Ok, du quartz brick, on peut essayer de faire ça. On peut essayer de faire. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire avec ça, les gars? Aidez-moi. Attends, mais au pire, j'ai le truc en fait là. Mais mec, en fait, c'est trop cheaté en fait. Mais c'est complètement cheaté ce livre. Ce bouquin est complètement pété, les gars. Faudrait que j'arrive à avoir des flèches en vrai, les gars. Faudrait que j'arrive à me choper des flèches avec les squelettes. Hein. Genre, si j'arrive à attirer des squelettes et avoir des flèches, je peux faire des kills gratos, mec. Par contre, les laines, c'est intéressant parce que je vais pouvoir faire plein de trucs avec. Ouais. Oh! D'ailleurs, on va récupérer du sable tout de suite avant d'aller s'enterrer. Je pense qu'on va pas trop tarder à aller s'enterrer, à mon avis. Oh là 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 là, il y a des wither squelettes, il y a des brutes. Hein. Les brutes, je sais pas pourquoi elles aiment trop venir dans ce mode de jeu. Hein. Bon, en vrai, ça va, c'est moins violent que la dernière fois avec Gep. Il y a moins de mobs de folie en vrai. En vrai, il y a moins de morts que la dernière fois, mec. Hein. On va juste s'enterrer ici, on se trouve la première qui est venue. Bon, par contre, mec, ça prend. Est-ce que vous avez déjà vu un four aussi long que ça à cuire de votre vie? Franchement, super, les gars. En vrai, on est très contents, franchement. Oh! OMG. Déjà, on a un truc qui est bien. Déjà, ça nous avance un peu. Très heureux d'avoir gâché ma stone pour ça en vrai. Oh putain de merde. Eh, vous savez quoi? Les gars, je vais avoir 4 flèches. Hein. C'est avec ces 4 flèches que je vais faire un kill déjà pour commencer. C'est random craft, ça fera plein de flèches. Ah mais oui, putain. Ah par contre, on a un autre type de bois là. Ça, vous savez quoi? On a un autre type de bois là. Ah, c'est drôle ça, le jeu. Hein. Ah, c'est drôle de me donner des pistons, mon gars. Au point où on en est, on va récupérer ça. Vous savez pourquoi? Hop, la redstone peut servir. Ouais, mais si je veux de la redstone, j'ai qu'à aller en miner, tu vois. Je vais pas m'emmerder à la crafter en fait. Oh, y'a un mec là!
Faut le taper ou quoi? Pas encore. Pas encore, mais pas loin en vrai. Mec, ce bateau, ça va être une folie. On va échapper aux gens avec ce bateau. Hein. Ça va être notre option de survie, je vous le dis. Wouhou! Let's go! Une game n'est jamais perdue. Ah, ok, c'était ça qu'on voulait faire. Bien vu la team. Ok, on a une deuxième pièce de stuff hein. Le PVP est activé. Donc là va falloir faire attention. On va récupérer les sticks. On va juste faire gaffe aux mobs. On va tester de tuer 5 creepers et d'avoir de la gunpowder. Voilà. On va essayer. Eh, tu sais quoi? Mec, dans la vie faut essayer des choses. C'est bien que le creeper il ait pas été random au moins. Ça me laisse Ok, vas-y, c'est bon. J'ai toute ma gunpowder. C'est bon, j'ai tout. Au pire, si vraiment c'est la PLS, vous savez, je vais dans la mer hein. Ok. Eh ben c'est le dégoût hein. Moi je vous le dis les gars, les fleurs c'est le meilleur bail. Va miner bon sang. Ouais mais j'ai la flemme hein, j'ai pas envie. Non mais ouais je vais aller miner, vas-y. Allez je vais miner, j'ai compris. Je vais mimi. Allez, allez, mais putain. En vrai, attendez, j'ai une autre idée, j'ai un autre colorant. Mais aidez-moi, je vous en supplie. Ok, mais ça sert à rien. C'est pas la folie en vrai. C'est pas la folie parce que c'est moins puissant qu'une épée. Après, pour miner, c'est bien. Mais bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin? En vrai, on peut aller dans le Nether avec ça. De toute façon, dans tous les cas, on peut rien en faire de plus. Donc je vais les prendre dans tous les cas. Ici, on est tellement riche. On va miner avec 6 pioches en même temps. Mais de toute façon, les gars, comment on fait de l'Opsis sans saut là en fait? Si j'arrive à trouver de quoi aller dans le Nether, on essaiera. Vous savez ce qu'on va essayer? On va essayer ça. Ça, les gars. Ça, vous voyez l'andésite? C'est notre façon de nous sauver. Ok, c'est peut-être pas notre façon de nous sauver du coup. Ok, c'est vraiment pas notre façon de nous sauver. Mais peut-être que si en fait. Dans la vie, il faut savoir se contenter du nécessaire. J'ai rien, je suis à poil, je suis une merguez là. Mais putain, des pots de fleurs. Mec, vous vous rendez compte où on en est? Non, mais c'est sans déconner. Moi, je pense on se balade et on essaie de trouver des trucs à l'extérieur. Le problème, c'est que la bordure elle bouge là. Masterclass. Masterclass, je peux même pas sortir de mes grottes. C'est ici que je vais mourir. C'est ici que vous et moi, notre aventure va s'arrêter. Les gars, vous êtes prêts? Il faut courir. C'est maintenant, il faut courir. Ah, y a personne en fait. J'ai plus de templates ici que sur ma survie Minecraft, quoi. C'est abusé. Oui. Oui. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, sérieux. Mais qu'est-ce qu'on se régale. Franchement, mais qu'est-ce qu'on se régale. Y a pas un craft qui est bien, genre. Mais qu'est-ce qu'on se régale. Moi, vous savez, dès que ça touche plus à la 1.8, moi, dès qu'on passe la 1.8, je suis perdu. Hein. Bon, bah voilà. Hein. En vrai, vous savez, ce qui aurait été bien, surtout, c'est qu'on ait une vraie map, pas une map avec de la neige et genre des flowers, des trucs de fleurs, quoi, par exemple. Bloc de neige, j'ai tout fait, les gars. Franchement, ici, j'ai à peu près tout fait. J'ai fait mon max ici. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Go fight, ouais. Au pire, mec, je backstab quelqu'un qui a pas de vie. Parce que là, je pense que personne n'a de pomme d'or dans la partie, hein, à mon avis. Personne doit avoir de heal. Donc, il suffit que la personne me touche pas et le problème est réglé. Oh non, West Shot. Oh non, West Shot. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas ce que je lis. Je vois écrit West Shot. Ça me plaît pas du tout, en fait. Va leur faire peur avec ton arc. Ouais, bah vachement, mec. Hein. Y a des mecs qui ont vraiment des flèches et moi, j'ai pas de flèches. Hein, donc, au pire, c'est ma game. Je triche et je me give des flèches, au pire. Mais genre, je le cache dans la vidéo. Au pire, personne n'en saura rien, tu vois. Après, mec, en vrai, c'est pas con ce que vous dites. Si le mec rate ses flèches, hein, je les récupère, ça me les donne. Hein. This is Elon Musk. Non, j'ai jeté mes os. Non. J'aurais pu avoir Fluffy qui me suit partout et tout. Attendez, je vais voir dans son stuff, on sait jamais. Ok. Bah, je suis vachement déçu en vrai. Ah, il avait un saut par contre. En vrai, je vais me battre au saut de lave. En vrai, je pense, je vous jure, je vais me battre au saut de lave. Il avait un pantalon en cuir. Mec, on a 3 pièces de stuff, je sais pas quoi dire. Je suis on fire là. Oh, y'a un mec là-bas! Y'a un mec là-bas! Oh non, c'est le mec qui a un arc. C'est le seul mec qui a un arc de la game! Non! Non! C'est le seul mec qui a un arc! Ah, mais il vient de prendre le kill ici. Attends, mais il a plein de trucs lui! Je suis en train de looter, hein. Vous avez vu ce que je suis en train de faire? Je fais les poubelles là actuellement. Hein. C'est vraiment ça qui se passe, hein. Je suis en train de faire les poubelles. Je vais aller voir. Je vais être gentil, je vais aller voir là-bas. Mec, c'est barré. Rien. T'as fait tous les crafts sauf ceux qui donnent du bon stuff. Mais je te jure, mec, c'est une folie, hein. J'ai fait tous les crafts du jeu sauf celui qui donne du stuff. Je vous jure, j'ai tellement peur que ça m'arrive dessus à ce moment-là. C'est une folie, hein, vraiment. Hein. Je peux pas essayer de crafter un arc? Si, normalement, je peux essayer de crafter un arc avec ça là, non? Waouh. Je vous jure qu'on va y arriver. Hein. Je vous jure qu'on va trouver un truc, hein. Bon, bah, au moins, on l'a trouvé, quoi. Oh, y'a un mec! Alors là, mec, viens. Viens, tu vas voir. Tu vas voir ce, qui... tu vas voir ce que tu vas voir, toi. Viens, mon pote, tu vois. Viens, mon gars, viens. Suis-moi. Viens voir. Tu veux qu'on fight? Mon gars, on va se taper, t'inquiète. On va se taper, mon pote. Viens, on va se taper, tu vois, toi et moi. Oh, le bâtard! Mon bateau il a glitché dans le sein, il a pu me taper. Oh le chien de la casse. Il a pu me taper le chien. Mon bateau il a glitché dedans. Pas grave, j'ai une autre solution. Elle s'appelle bloc de lave. Hein. Saut de lave. Viens là, tu vois. Viens mano, tu vois. Viens. Oh, le bâtard, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Ah merde, attends, il m'arrive dessus en fait, j'ai pas vu. Le mec est en train de vouloir me faire péter à la TNT, on en est là. Mais un coup je suis mort. Vas-y viens mon pote, viens. Une game n'est jamais perdue. Oubliez pas ce slogan. Une game n'est jamais perdue, ça a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Bah il va y avoir des wither squelettes, il va se faire tuer par un wither squelette. Il est où le frérot? Il a sneak non? Attends, il va me faire un screamer je sens. Non mais on va retourner sur la glace en fait, c'était bien de retourner sur la glace. J'étais bien sur la glace en fait hein, je pense hein, à mon avis hein. Ok, là il croit que je l'ai pas vu là. Regardez les gars, là il croit que je l'ai pas vu. Là je vais faire genre je suis AFK, regardez. Là je fais genre je suis AFK. Je fais genre je l'ai pas vu et tout. Ok, je fais genre je l'ai pas vu. Et là je me tourne. Et là y'a un mec derrière toi. Oh y'a un mec derrière lui. Et là je récupère ça. Et là une game n'est jamais perdue. Et là le mec a flippé sa mère. Du coup il s'est barré, il a juste pris le kill, il s'est barré. OMG le clutch. Et là 14 gapple. Et là je ne sais pas pourquoi. Le mec va arriver à tout moment. Hein. Oh putain. Y'a un mec il arrive. C'est quoi ce merdier? Moi aussi je peux venir. Et ouais, sauf que là t'avais pas prévu que j'ai des pommes d'or hein. T'avais pas prévu ça hein.
Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il y a une épée enchante lui. Mais c'est lui en fait. C'est lui avec son arc. Hein. Non, je rigolais. C'était une blague. Non, ça c'est une blague, C'était une blagounette. Hein. Rarement vu un tel comeback, mec. Une game n'est jamais perdue, oubliez pas ça. Il y a un mec là. Toi, c'est toi et moi, mec. Viens, viens, c'est toi et moi. Ok, c'est pas tout. Bah, au revoir. Bah, c'est pas grave. Ça sera peut-être la prochaine fois en vrai. En vrai, moi, si je vais jusqu'en finale, je suis bien. En vrai, j'ai du stuff. J'ai pas de flèche. C'est le seul problème, c'est que j'ai pas de flèche. Viens. Je vais péter son bateau, j'en ai rien à foutre. Hein. Je vais le suivre jusqu'à là. Eh ben dis donc, c'est... Ah mais il fait nuit en plus, c'est l'enfer. Hein. Donc juste une petite musique de Mario Kart et on est bien là. Le deuxième, il est passé à côté, il en a rien à foutre. Hein. Et moi aussi je veux jouer avec vous en vrai. Moi aussi j'ai envie de jouer en fait. Hein. Il est là. Il croit que je le suis pas. Et c'est quand les moments, quand on s'y attend le moins. Putain. J'y retourne. Oh putain. Ok. Bon bah il est là le frérot. Ah, t'étais pas pris pour ça là. C'est une blague. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire hein. Et là, le clutch of all time. Vous êtes prêts? Le clutch of all time. Oh putain, d'accord, ok. Ah oui, mais c'est un mec d'Arctique, lui. Je sais qui c'est un mec d'Arctique. Lui, il rigole pas, lui. Lui, il tryhard sa grand-mère, lui. Ah ouais, lui, je le connais, en fait. La remontée de courte durée, mais on aura réussi à remonter. Au moins, c'était rigolo. Une game n'est presque jamais perdue. C'est ce qu'il faut se dire.